So we're going to be reading Le Petit Prince, chapter 2, chapitre 2, aujourd'hui. So if you have your books, you can follow along. So let's try this. Chapitre 2. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 heures. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à 1 000 miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? So, that first part, there's a very important line in there. It's called, it says, dessine-moi un mouton. Je ne sais pas. Si on peut le voir, c'est juste là. Ouh, c'est difficile. Dessine-moi un mouton. That means draw me a sheep. So that's going to be an important line in this book. So, moving on. Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par le foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans. Je n'avais rien appris à dessiner, sauf les bords fermés et les bords ouverts. J'ai regardé donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1 000 miles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni aguerri, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1 000 miles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis: Mais qu'est-ce que tu fais là? This is our first appearance of Le Petit Prince. Ça, c'est lui, juste là. So this is the drawing that Saint-Exupéry does when he meets him in the desert. Okay. So he says, il semblait ni égaré means lost, ni mort de fatigue, not dying of hunger, ni mort de faim, not dying of thirst or hunger, and ni mort de peur, he's not dying of fear. So he's not your usual little kind of bado, they say petit bonhomme, which means little gentleman, so like a kid. Mais qu'est-ce que tu fais là? What are you doing there? Et il me répéta alors tout doucement, comme une chose très sérieuse, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Draw me a sheep. This will be important later. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. One does not dare to disobey. Aussi absurde que cela me semblait, à 1 000 miles de tous les endroits habités, est en danger de mort. Je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire, et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit, ça ne fait rien, dessine-moi un mouton.
doesn't mean anything. Drawing a sheep. So he's saying, I don't know how to draw, I'm not very good, because remember in chapter 1, he had been discouraged from drawing. Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable, celui de Boa fermé, et je fus stupéfié d'entendre le petit bonhomme me répondre « Non, 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 je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux. Et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » Alors, j'ai dessiné. So what's happening here is, he's saying, since I had never drawn a sheep, I redid it for him, one of the only drawings that I was able to do, which we know is the snake, right? That everybody thought was a hat. So I drew. He draws it, and he says, and he shows it to him, and he says, no, 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 I don't want a boa swallowing an elephant, right? I can't have that. My place is really small, tout petit. So already we know the Petit Prince is a different kind of being, right? He sees things differently. Alors j'ai dessiné, il regarda attentivement, puis non, celui-là est déjà très malade. Fais un autre, do another one. J'ai dessiné, mon ami souriait gentiment avec indulgence. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. A bélier is a ram, right? So like a goat with horns. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Je refis donc encore un dessin, mais il fut refusé comme les précédents. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer mon démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin ici. Je le lançais. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune viseur. Juge, c'est tout à fait comme ça que je voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffirait sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. So, if we look here, we see multiple drawings, right, that he has done. This one's the bélier, a ram. This one's too old, c'est trop vieux. So he says, bon, je vais vous dessiner une caisse. Oh là là. Ça, c'est la caisse, a case. So he says, okay, I've had it. I want to get back to fixing things. I'm going to draw this box, or caisse. Your sheep's in the box. Et le petit prince, il dit, oh, c'est parfait, it's perfect, right? That's exactly what I wanted. So, and then the last line says, et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. And here is where I met le petit prince. So this is the départ. So here we get our first introduction of le petit prince. So.